L'infomédia qui fait la une ce matin, c'est donc Frédéric Lopez qui révèle son homosexualité selon une information du Parisien aujourd'hui en France. L'animateur de France 2 fera son coming out à l'antenne lundi prochain dans son émission Mille et Une Vies. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Thomas. Cette annonce est très inattendue. Oui, Frédéric Lopez excelle quand il s'agit de faire parler ses invités. Il est expert pour les accompagner sur les chemins de la confidence. Et bien cette fois, c'est lui qui va se prêter à l'exercice. Il le fera dans son émission Mille et Une Vies qui sera diffusée sur France 2 lundi prochain. Une émission enregistrée. Il y a quelques jours, hein, dans laquelle il recevait Pascal, un père de famille homosexuel venu partager son expérience et son quotidien à l'antenne. Un témoignage qui a visiblement fait écho chez l'animateur. Ce matin, le Parisien rapporte les propos d'une source présente sur le tournage. Face à son interlocuteur, face à ce récit poignant, Frédéric Lopez s'est senti légitime pour évoquer son cas personnel et il a donc décidé de profiter de l'occasion pour rendre public son homosexualité. Jusqu'à présent, hein, Frédéric Lopez était toujours resté discret sur sa vie privée. Il s'est très rarement et penché sur son intimité. Mais face à ce témoignage, il a jugé le moment opportun pour partager cette facette de sa personnalité. En revanche, selon la source citée par le Parisien, l'animateur ne s'étendra pas davantage sur le sujet. Alors Frédéric Lopez n'est pas le premier à s'exprimer sur ce sujet qui ressemble de moins en moins à un tabou dans la société. Hein. Ah oui, l'homosexualité est de plus en plus assumée, les barrières tombent et notamment chez les animateurs télé. Le dernier en date à avoir révélé son homosexualité dans les médias, c'est Alex Good. En mai 2015, dans le magazine Gala, l'ancien animateur d'M6 qui était aux commandes de la France a un incroyable talent, racontait son quotidien avec son mari Romain et sur leur vie à Las Vegas avec leur fils Elliot, né de mère porteuse. Il racontait aussi le parcours du combattant pour la gestation, pour autrui. Un peu avant lui, c'est Marc-Olivier Fogiel hein, qui avait évoqué dans les colonnes de TV Magazine son mariage avec son compagnon. Il racontait alors assumer totalement son couple à la condition qu'on ne vienne pas empiéter sur sa vie privée à travers des photos volées, par exemple. Il se dégageait alors une grande sérénité dans les propos de ce papa de deux petites filles. En janvier 2015, toujours un dans Closer cette fois c'est Christophe Beaugrand qui était interrogé sur ses prises de position lors du débat autour du mariage pour tous et sur les réactions parfois très violentes qu'elles avaient suscité. Il avait profité de cette interview pour indiquer qu'il était en couple avec son compagnon depuis plusieurs années. Alors on le voit, les animateurs télé choisissent très souvent de révéler leur homosexualité par le biais d'interviews dans la presse écrite. En revanche, c'est beaucoup plus rare de le faire à l'antenne. Oui, il y a une forme de courage chez Frédéric Lopez à le faire face caméra dans des circonstances où l'émotion peut parfois prendre le dessus. Le pionnier en la matière, c'est Laurent Ruquier. En 1997, ce n'était pas à la télévision, mais sur scène, dans un sketch de son One Man Show, que l'animateur dont n'est pas couché avait révélé son homosexualité. Pour d'autres, c'est sous forme d'allusions plus discrètes, jamais vraiment explicites. On pense à Mathieu Delormeau, régulièrement taquiné sur le sujet. N'en touche pas à mon poste. Lundi, c'est à l'antenne que Frédéric Lopez fera son coming out et qu'il contribuera à lever encore un peu plus un tabou qui ne doit plus en être.